Bonsoir à tous pour cette première édition du Vacarme Show. Donc, je suis avec KRL et Existence. Merci à vous d'avoir accepté de faire les cobayes pour cette première édition. Donc, on reviendra. Merci à NetGaming pour nous offrir encore une fois les moyens humains et logistiques pour le streaming, même si on est un petit peu désolé du retard. Et merci à Cybernation de nous accueillir dans leurs locaux et leur salle Bouclan, qui est d'ailleurs plutôt sympa. Au menu de ce soir, donc, on prévoit deux grandes parties. On va revenir sur l'ensemble de la saison. Donc notamment la PXL, la DSRAC et les saisons EPS. Et comme on a avec nous les deux meilleurs leading games francophones du moment, on aura aussi toute une partie à la fin concernant quelles sont les qualités pour un bon leading game, quel est son rôle, etc. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va revenir sur la première LAN de ce début de saison qui était à PXL 28. Alors déjà petite question, Varigames aurait dû participer, finalement vous avez annulé pour les dernières minutes suite à un problème d'indisponibilité de NBK. Donc du coup l'intérêt sportif de la LAN était un peu moins important, mais première question, le lieu, la PXL c'est un peu la maison pour beaucoup de joueurs, mais là la salle a changé, c'était comment cette nouvelle salle? C'était sympa, c'était bien. Moi, j'avais fait tous les PXL avant, donc ça faisait bizarre un peu de changer parce que, enfin, comme tu dis, la PXL c'est la maison. Hein. Ça faisait bizarre de changer, mais le lieu était sympa. Il y avait vraiment une vraie partie stand, comme on peut voir, genre comme au MaxLan ou à la Gamer Assembly ou quoi. Il y avait une vraie partie pour les stands et une partie pour les joueurs. Et il y avait une scène en plus. Ce qui me semble vraiment que sur les PXL, il n'y a pas de scène. Hein. Pas de scène sur la scène PXL. Ouais. Donc il y avait une scène en plus, donc c'est un petit plus quand on va en finale, c'est cool de faire une finale sur scène. D'accord. Okay. Donc, au niveau e-sportif, donc on a vu qu'il y a une petite surprise, enfin une contre-performance de la part de donc l'équipe que tu coachais, LDLC, vu que LDLC s'est fait sortir en demi-finale, enfin est tombé en loser bracket en demi-finale contre Invictus. Qu'est-ce que on était assez surpris et on va dire assez limite inquiet parce qu'il y avait quand même les finales EPS qui étaient peu de temps après, pareil la DSRAC qui était 15 jours plus tard, donc c'était pas un très très bon présage. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à cette PXL? Bah, alors déjà je vais te reprendre parce que vous étiez surpris, mais l'équipe en elle-même elle l'était pas parce que sur le net c'était déjà pareil, sur les sites terreau c'était soit on avait la confiance et ça se passait comme ça devait se passer parce qu'on était meilleur, ou soit on avait du mal à rentrer dans les matchs, ils avaient du mal à percuter, enfin à rentrer sur les BP et les sites terreau. La PXL c'était juste infâme quoi. On mettait pas plus de 3 rounds sur un site terreau contre contre Invictus, quoi. Voilà, y a pas d'autre chose à dire, quoi. Du coup, on tombe dans le lower. Et après, c'est pareil, quoi. Au final, on gagne la LAN, mais. Difficilement. Ouais, difficilement, quoi. C'est pas. Dans le fond, on peut pas être fier d'avoir gagné cette LAN, là, quoi. Existence, t'avais suivi un peu le PXL de chez toi? Malheureusement, j'ai pas trop suivi les résultats. Et au final, je m'y attendais un peu que ce soit serré, quoi. D'accord. Parce que DLC, on les sentait pas très solides. Des joueurs expérimentés avec des joueurs beaucoup moins expérimentés, une pression de gagner vu qu'ils venaient d'entrer chez LDLC. Donc c'était logique, franchement c'était logique. Quoi. D'accord. Et tu dis que l'équipe limite s'y attendait, mais est-ce que vous êtes posé la question d'aller vous rendre à PXL justement ou pas? Non, parce que c'est une LAN qui fait partie du circuit des masters, donc non, fallait y aller, on avait tout, enfin le DLC nous y envoyait, donc il n'y avait pas de raison qu'on s'y monte pas quoi. Il y avait Varigames qui allait pas, c'était dommage pour la compétition, mais dans le fond ça faisait une première LAN à gagner pour l'équipe, justement pour se lancer dans la saison. Après ça s'est pas passé comme ça l'aurait dû, mais il fallait y aller quoi. D'accord. Autre mini surprise, c'est l'ordre qui se fait pareil sortir en loser du moins par Invictus, puis après vous les avez battus, LDLC les a battus hein, dans le loser bracket. Qu'est-ce que tout le monde les a vu leurs résultats dans les matchs EPS, tout le monde les attendait un petit peu. Est-ce que tu sais pourquoi? Enfin, t'as pu regarder un peu leurs matchs ou? Je les ai pas trop vu jouer. Le seul match que j'ai vraiment vu, c'est quand j'étais derrière LDLC qu'ils ont joué, qui a eu le match dans le loser, la finale loser. Mais c'est une équipe qui est jeune dans le fond, ils ont un leading game, enfin, c'est en cœur, c'est un mec qui commence là-dedans, quoi. Je veux dire, on peut pas demander à une équipe comme ça d'être forte de suite. Je trouve que c'est des mecs qui ont besoin de faire des LAN, de jouer ensemble. Donc, la preuve, moi je les ai perdus aux EPS. Ça vient aussi peut-être de leur style de jeu qui est très internet, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas très organisés, ils se posent pas de questions, ils ont 5 joueurs qui sont hyper skillés. Et qui sont toujours, pour la plupart, très très forts sur internet et quand même beaucoup moins forts en LAN. Et sans pour autant qu'ils cheatent évidemment. Et
quand tu arrives en LAN, tu peux pas aborder les matchs pareil, quoi. Tu as toujours un moment d'hésitation quand tu arrives dans un moment de pression et ça en LAN, c'est fatidique, quoi. Ah, mais c'est vrai, hein. Quand t'as un mec qui sur internet qui vient et couvre un BP qui fait double kill, mettre des runes dans tes roues, ça devient facile, hein. Quand on les a joués sur Nuke, ils n'avaient pas de strat, quoi. Ils rentraient un T, t'avais Krums qui sortait à porte, c'est grande échelle à la WAP, il mettait une balle, il faisait salut, quoi. Et le suivant, c'était pareil, quoi. Là, il est arrivé en LAN, il n'osait pas ouvrir la porte ou il rentrait une seconde après et on avait le temps de le tuer, quoi. C'est des petits détails qui font la différence. Alors, en LAN, c'est juste une question de pression et d'ambiance ou c'est vraiment, enfin, techniquement, ça touche pas pareil? Il y a des choses que vous avez réussi à faire sur Internet et des trucs que vous n'arrivez pas à mettre en LAN? C'est la pression, c'est tu te poses Voilà, pas de questions quand tu es sur Internet. voilà. Quand tu es sur Internet, tu es chez toi, tu es au chaud, Tu tu as ton t'en verre fous de en fait. coca à côté de toi, tu veux aller manger après ton match, des petits gâteaux dans ton placard, tu es tranquille, quoi. T'es vraiment, tu te dis, mon lit il est à 2 mètres, je vais pouvoir me coucher les pépères. Quand tu es en LAN, il y a du monde autour de toi, il y a du bruit. Et puis même si toi t'es pas stressé, enfin je veux dire dans leur équipe ils ont des joueurs qui sont calmes. Je vais prendre genre Scream par exemple, c'est un mec qui il dit pas un mot que ce soit en LAN ou sur Internet, il est super calme. Ça porte pas Mais l'équipe, quoi. Ça... il y a des mecs à côté qui vont être surexcités d'être là et qui et justement et du fait de ne pas avoir les mêmes réactions sur Internet et en LAN, ça va faire que des équipes qui peuvent être très bonnes deviennent médiocres. Enfin, médiocre, abuse pas non plus, quoi, tu vois. Non, enfin pour moi la PXL c'est qu'ils auraient dû se retrouver Ouais, en c'est... finale Et vous battre, Et quoi, nous c'est dans battre, la ouais, et nous logique battre, des résultats. et nous battre, ouais. Et voilà. D'accord. Donc on va passer à la saison EPS, donc saison assez courte sur environ 2 mois. Concernant, on va revenir rapidement donc sur, mais je pense que vous n'avez pas trop de commentaires sur les deux, enfin les deux grosses surprises des matchs, entre guillemets des qualifications. Ma double surprise. Non, la double surprise de, ouais, enfin la victoire de Lord contre Vegams et contre LDLC. Je pense un peu. J'ai pas regardé les scores, les votants sur les matchs, les Regrette pronostics pas. sur Vacarme, mais je pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pronostiqué une victoire de l'ordre de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah on avait un bon mix, c'était Matt, CRZ, Tac, Bistou et moi. On avait un bon mix, mais je sais pas, c'est. Ça arrive, c'est le genre de choses qui arrivent sur Internet. T'as un mix, tu joues contre des mecs nazes, mais je sais pas, ça marche pas, ça colle pas. C'est ça, ça collait pas en fait. Ça collait vraiment pas. Je pense que. Il y a beaucoup de joueurs qui voient le jeu différemment. C'était un Mais pur donc mix, de toute façon, voilà. hein. Il Ouais, n'y avait pas c'était vraiment un pur mix et voilà. C'est des grands noms, mais quand t'es en mix, t'as pas d'organisation, t'as une équipe qui s'entraîne tous les soirs ensemble, tu peux rien faire, Ouais, quoi. j'avais en plus j'avais beau essayer de parler, on m'entendait pas. Bon, c'était pas cool à jouer cette année. En plus, dans des conditions, justement, Ouais. où LAN, t'as vraiment intérêt à être préparé, quoi. Eux, ils arrivent, s'ils l'entendent pas, ils y rushent là, ils comprennent la moitié qu'ils comprennent, c'est fini, quoi. Ouais, je parlais plus des matchs online en fait là, mais c'est pas Ah, grave. ok. Ah, j'ai des premiers, ouais. Ah, Alors, que l'ordre est battu. Ah, est-ce mais que. quand le... Mais bon, c'est Pour le pas. match online, nous, Ouais, mix honnêtement, de trucs. Parce que vous ils êtes ont en mix assuré. hein, pour le coup. Ouais. Ils ont assuré, mais c'est surtout nous qui avons très mal joué, quoi. On va dire qu'on a commencé CT. On savait qu'ils étaient bons. On savait qu'ils jouaient très simple. Bon, ben voilà. Les mecs ils nous ont mis quoi? Ils nous ont mis 6 rounds ou 9 rounds, je sais plus. D'après moi, on a gagné 9-6 ou 8-7, un truc comme ça. Mais franchement, on se faisait défoncer, quoi. Au skill, quoi. Pas de strat, le mec il arrive, il te tue, t'as pas le temps de bouger, quoi. Après, on passe terreau, logiquement, on a beaucoup de gens terreau, donc on arrive à se rattraper. Et là, on n'avait pas joué Nuke depuis 2 semaines parce qu'au final, on se préparait pas du tout pour les EPS, on se préparait pour la DSRA qui était vraiment notre seul objectif. On n'avait pas joué depuis 2 semaines et là, il y a des détails comme bah, sur Nuke, ça se joue beaucoup à la flash, beaucoup plus qu'en contrôle map ou des trucs comme ça. Enfin, ça dépend pour quel style de jeu, évidemment, pour quelle équipe. Il n'y a rien là. Mais nous, c'est plus comme ça, surtout sur Nuke. Et là, une flash ratée, un round perdu, une flash ratée, un round perdu. Après, bah, t'es sur internet, tu commences à rager un petit peu, tu dis bon, c'est Lord en face à tout le monde qui est très de cheater. Le mental, il est pas pareil. Quand on arrivait en LAN et qu'on était surmotivé en se disant, voilà, même si on prend des rounds, on s'en fout, on donne tout et ça change, quoi. Voilà. Nous, franchement, pour nous, ils ont assuré, mais on n'a pas bien joué. Vraiment, le match, on est passé complètement à côté, quoi. Et pour Après. notre part, bah, moi j'ai suivi le match en live, quoi. J'étais sur ML avec l'équipe. Et moi sur Source TV, je sais pas si je veux dire que j'ai été impressionné, mais à chaque fois que nous en CT on a fait des moves, eux ils ont fait les moves pas parfaits, parfaits quoi. Je veux dire, il y a des rounds où on s'est dit vas-y, on laisse le B2, on joue B2 en backup et. Enfin, je B2. Et Donc on va franchement, être ils très ont. clair, enfin,
c'est une pure coïncidence ou tu penses que on va les non. Ah non, ouais. Non, je dis pas, non, je dis ça vraiment parce qu'ils ont eu des bons calls quoi. En face, ils ont, je me rappelle quand cette terreau a vraiment été, ils ont fait un bon side terreau quoi, un vrai bon side terreau, ça jouait bien. Il y a quand ça rentrait sur un BP, ça il y avait des revanches de suite, ça jouait vraiment bien. Enfin, moi je me rappelle quand on a été battu, j'ai fait bon bah franchement, ils ont été meilleurs les mecs quoi. Pareil pour nous d'ailleurs, quand même. D'accord. Donc on attaque les au niveau des phases finales. Donc là, une grosse qu'on attendait plutôt à, bon, en Viri Games premier après leur DX Rack, ça paraissait à peu près acquis, mais qu'on attendait plutôt LDLC ou Lord en deuxième position. Vous finissez quatrième derrière Nitrose. Tu peux revenir un petit peu à. Bah ouais, c'est ce alors, que je te. Surtout que vous avez eu des line-up un peu folkloriques, ça a pas mal changé et tout. Ouais, en fait, au dernier moment, il y a Isoka qui pouvait pas venir. Puis qui ? Je sais plus, puis qui, mais au final, on s'est retrouvé avec cette équipe-là et. Ouais, ça collait pas, quoi. C'était naze, franchement, c'était naze. Non, mais c'est vrai, hein. Quand tu sors d'une note, tu te dis, j'ai passé un week-end de merde à me déplacer pour aller faire des matchs de merde, quoi. C'est ça vraiment le ressenti que t'as à la fin, quoi. C'est que tu te dis que t'as perdu ton temps parce que si t'y avais réfléchi 5 minutes, tu te dis que ça menait à rien d'y aller comme ça, quoi. Mais on est orgueilleux, donc on s'est dit qu'on pouvait aller battre tout le monde, quoi. Mais non. C'était pas aussi simple. C'était pas aussi simple que ça. Donc voilà, on s'est ridiculisé, mais c'était. À côté de la LAN, c'était un bon week-end. D'accord, ok. Nitrose fait une bonne performance en finissant 3e des EPS, et alors qu'ils sont issus pour leur première saison, ils sont issus de qualification ES1. Vous avez suivi un petit peu, vous avez regardé ce qu'ils faisaient, ou comment vous avez trouvé leur style de jeu? Nous, on les a beaucoup joués en prac, et je pense qu'il y a déjà 3 mois, quelque chose, enfin, plus ou moins. J'avais dit Nitrose, c'est une équipe qui va monter, quoi, c'est obligé, quoi. Parce que c'était vraiment, c'est des jeunes joueurs, on connaissait aucun d'eux, et ils nous mettaient vraiment des runes, quoi. Mais les runes, ils les mettaient pas par hasard, ils les mettaient pas au skill, ils les mettaient à l'organisation, au TP, ils étaient réactifs, tu sentais qu'il y avait vraiment, il y avait une équipe en face, quoi. Et ça, c'était obligé que ça allait payer, quoi. Donc non, moi je l'ai vu, j'avais déjà remarqué. Non, mais c'est vrai que contrairement à d'autres équipes, je pense qu'ils ont compris le concept de devoir jouer en équipe et d'être plus ou moins stable, d'avoir une line-up qui tient et de se déplacer en LAN. Et s'il y avait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'équipes au final sur Source en France, il y a des mecs, ouais, on peut dire que c'est Internet, mais au final, ces mecs-là, ils se sont déplacés en LAN, ils se sont entraînés sur Internet comme il fallait. Et ils sont pas ridicules, quoi. Et je pense que c'est le même jeu sur Internet qu'on a. C'est à la portée de tout le monde de faire ça. C'est juste qu'il faut comprendre le fait de devoir jouer en équipe, de devoir se déplacer en LAN, et que c'est comme ça qu'on progresse. Et au final, ils ont fait la PXL. La PXL, ils avaient déjà battu Lord sur un match EPS, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça, non ouais. Sur un match EPS, ils avaient battu Lord. Ils avaient déjà fait un résultat plus ou moins à la PXL là-dessus. Et voilà. Après, nous, ils nous ont battu aux EPS. C'est la preuve que. C'est une équipe qui va monter, c'est sûr. Après, il faut pas que ça parte en couille, qu'il y ait un joueur qui part par là. Faut qu'ils restent ensemble et. C'est comme ça qu'ils vont monter, quoi. D'accord. Parmi leur line-up, il y a un de leurs joueurs que vous avez remarqué particulièrement, ou globalement c'est vraiment le team. C'est l'équipe. Franchement, c'est l'équipe. Alors je connais pas du tout les noms, mais il y a Eternal. Dober, Cyril, Mike, Soldium, SF. Non, mais. Il me semble que Soldium nous a défoncé aux EPS. Genre sur train, il a fini genre à 36 ou 37, ou peut-être que j'exagère un peu, mais c'était un truc dans le genre, quoi. D'accord. Okay. Concernant, on va aussi pareil faire un petit peu la même remarque concerne Lord. Qu'est-ce que un petit mot sur l'équipe? Donc à part que c'est Internet, qu'est-ce que vous voyez comme la composition, les joueurs, qu'est-ce qui leur manquait éventuellement pour finir premier? Un jeu d'équipe, des joueurs peut-être plus expressifs en LAN. Moi j'ai l'impression que Lord, en fait, c'est des joueurs qui s'en foutent un peu du jeu. T'en as toujours un qui s'intéresse, et alors les autres ils sont là, je m'en fous, quoi. Mais des joueurs qui s'en foutent au final. Ils apportent pas grand chose à l'équipe, et une fois qu'ils arrivent en LAN, souvent ça porte. Enfin voilà, ils sont moins forts, quoi. Ouais, moi je pense que il leur manque un mec. Bon, au final, un vrai leading game, je pense que c'est obligé, c'est parce qu'en cœur il commence, et au final, je sais pas comment ça se passe avec leur équipe, mais au final ils commencent, donc il lui faudra du temps. Et à côté de ça, ils ont pas de mec pour gérer des binômes, ou genre, que ce soit en CT ou quoi, des mecs qui parlent beaucoup, qui ont vraiment une bonne com. Au final, il y a Uzi qui se démerde pas mal dans la com. Mais Scrim, il parle très peu. Non, Scrim, il parle pas du tout. Moi, je joue en équipe Belgique. Bah, justement, il y a CRZ qui est dans l'équipe, ça peut être une bonne addition. Mais au final, Crazy dans le jeu, il est un peu perdu, quoi. Enfin, c'est un bon joueur. Il est très bon, mais il a pas de TP, quoi. Ouais, il a un bon niveau individuel. Après, c'est un mec en équipe, je pense qu'il faut le mettre à part et lui dire vas-y, va fraguer, fais ce que tu peux. C'est un scoreur, au final. Ouais, c'est un mec qui est là pour faire 20 frags par side, mais.
Je pense qu'il leur manque un mec genre un peu à la mat ou à la choc ou un mec dans ce genre-là, un mec qui a une bonne com, qui sait se placer, qui est capable de rediriger quelqu'un dans des situations de 3v3, de parler. Il leur manque, je pense, un mec qui assisterait en tueur. Ouais. Et si, KRL, si je te demande de faire un commentaire, le même genre de commentaire, mais sur Vegas, qu'est-ce qu'il leur manque? Ouais, est-ce qu'il leur manque quelque chose déjà? Il leur manque de la folie, ils ont peur. C'est ça qui est dommage, moi je trouve que c'est des mecs qui. Un jeu trop prudent? Ouais, c'est trop prudent. Moi quand j'aimais, à l'époque où je gagnais des LAN, ce que j'aimais c'était en mettre plein les yeux à tout le monde. C'était arrivé que les gens disent putain, mais ça va trop vite, c'est fou ce qu'ils font, on court partout. C'est ça qui est beau, c'est que les mecs en face ils se disent vraiment. Ces mecs-là, ils nous battent parce qu'ils sont plus forts que nous. Moi, quand j'ai perdu Verigame à la Gamer Assembly, on a beau avoir perdu. Je suis sorti de la LAN, j'ai dit, écoutez, les mecs, on était bien meilleurs qu'eux, quoi. Et on perd. Pourtant, on était meilleurs qu'eux, mais il faut le dire, ils nous ont battus parce qu'ils étaient 10 fois plus en place que nous, quoi. Remarque, on avait quand même 3 joueurs qui étaient totalement débutants, quoi. On vous a quand même battu. C'est quand même la preuve que. 3 joueurs totalement débutants. NBK. NBK, je l'ai pris en 6ème jour dans mon équipe, c'était sûr que ça allait devenir une star, quoi. Je veux dire, quand je l'ai pris au bout d'une semaine, je l'ai dit, ce mec-là, s'il va exploser, c'est sûr, il était destiné à exploser, c'était un choc. À la GA, il n'a pas bien joué, c'est la seule LAN où il n'a pas bien joué avec nous. Victor, il était bon, mais il était vraiment bon. Même temps qu'il est dans le circuit des LAN du Top FR et tout, ne me dis pas que c'est un débutant, c'est un mec, c'est pareil, c'est ouais, c'est un mec, il a du skill, il a fait autant de LAN que la plupart des joueurs. Que la plupart des bons joueurs sources, quoi. Il a fait énormément de LAN. Enfin, je pense pas que ce soit un débutant, quoi. Et le troisième, c'est. Non, il n'y a pas de troisième. C'est vrai qu'NBK, c'était sa première vraie LAN, en plus avec Verigame. Mais voilà. Ça change pas et du tout. Donc, fait, même question à l'existence, au sujet de LLC, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur a manqué cette saison, en fait? Avec quel line-up Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais. Il y en a beaucoup, hein. Déjà pendant la line-up principale pendant les saisons de PS, qu'est-ce qui leur a manqué? Bah, je pense parce qu'effectivement pas mal de choses au final, quoi. Je pense qu'il leur manquait l'entraînement un petit peu, ça c'est sûr. Après il leur manquait peut-être des joueurs un peu plus solides ou un peu plus expérimentés que par exemple Bistou, Tac, Iso. C'est des bons joueurs, mais Bistou, il leur manque quelque chose. Ils sont quand même dans le circuit depuis longtemps, quoi. Il y en a beaucoup des joueurs. C'est justement ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps, mais au final, ces mecs-là, ils ont joué qu'entre eux. Et je pourrais justement prendre ce que je disais pour Victor. Victor, il a joué dans pas mal d'équipes au final. Alors que ces mecs-là, ils sont restés tout le temps ensemble. Et c'est ce que je leur ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'ils sont bridés eux-mêmes parce que ils ont que leur propre vision du jeu qu'ils ont eu en équipe, quoi. Et leur vision du jeu, elle est naze, quoi. Elle est vraiment vraiment naze et c'est une vision de jeu de noob, quoi. Je leur ai déjà dit Par exemple Victor, il a joué plus longtemps avec moi que NBK, il a progressé à une vitesse phénoménale. Il apporte beaucoup à l'équipe, il est trop fort, quoi. Enfin, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur joueur français, quoi. D'ailleurs, d'assez loin, quoi. Il a prouvé ses deux dernières LAN, enfin trois dernières où il était MVP. Premier joueur actif, hein. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? NBK, je sais plus. Je sais pas. Et je vois pas du tout. Je te couperai plus. Ouais. Et alors, question d'ailleurs, comment on repère, hein? Donc, tu dis qu'NBK, vous avez vu rapidement qu'il était destiné à devenir un très grand joueur. C'est quoi les indices qui permettent de. Qu'est-ce qui te fait sentir ça? Le mec, déjà, il s'est investi, quoi. Par exemple, pour prendre l'exemple d'NBK, il est arrivé, il était direct investi, il en voulait tout le temps. Voilà, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi être investi? C'est passer du temps. Il s'intéressait à tout, en fait. Faire des pracs, du mix. Hein. On va dire que. Quand il y a un mec qui est sur Mumble et qui a envie de jouer, ça se sent. Et quand il y a un mec qui arrive dans une nouvelle équipe et qui a envie de jouer, ça remotive toujours dans le groupe. C'est comme ça. Et voilà, c'est un mec qui. Moi je trouve qu'il est vraiment bon. Enfin, moi, ça m'a surpris parce qu'il était. Je l'ai trouvé calme, en fait. Il est arrivé dans une équipe où. Il regardait tout le monde comme ça, genre. Ouais, il a 15 voilà, ans, c'est le mec. Ça, quoi. Il a essayé de dire, putain, je joue avec des. Voilà, pour lui, il jouait avec les meilleurs joueurs avec qui il pouvait jouer. Et c'est ça, c'est qu'il s'est dit. Il s'est pas dit, ouais, c'est bon, je suis un ouf, je suis pris. Il s'est dit, faut que je me casse le cul et que je montre à tout le monde que je peux avoir le niveau de ces mecs-là, quoi. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Il s'est donné à fond. Moi, je me rappelle que. Je sais pas, j'ai joué quoi, un mois avec lui, genre 2 semaines,
tout ce que je lui disais, il l'assimilait, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Il est sorti de rien. En deux mois, il est devenu trop fort. Hein. Voilà. C'est qu'il écoute et qu'il assimile. Et ce qu'on lui dit, il le retient parce qu'il pense que. En fait, quand il fait. Il se dit, ce mec-là, s'il me le dit, c'est qu'il a raison, vu qu'il est là et que je suis là. Ouais. Voilà, point. Il se dit qu'il a raison et il écoute et il joue. Et au final, c'est pour ça qu'il a progressé énormément. Je vais te prendre un mec qui aurait pu faire pareil, MK, sauf que lui, il écoute rien. Voilà. Pourtant, il a un potentiel de fou, il est toujours là, mais il va pas exploser parce qu'il comprend pas qu'il doit écouter les mecs qui sont au-dessus de lui. Et c'est ça qui est dommage. MBK, ça, elle l'a compris, il s'est dit j'ai ma chance et il l'a prise d'une main ferme. Vous avez des pseudos de futur MBK peut-être, des joueurs que vous avez déjà repérés, que vous surveillez du coin de l'œil au cas où Moi, vous n'êtes pas obligé de donner le pseudo. Je joue pas beaucoup en dehors de mon équipe, donc. On les voit plus en pick-up. KRL, il fait pas mal de pick-up, donc il a peut-être vu un ou deux de nouveau là. Ah mais si on parle des pick-up. Moi je dirais APX qui va, si on parle qui va vraiment monter. S'il joue avec des bons joueurs, il va monter, c'est sûr. Quoi. Ouais, ça me fait. Ouais, la line-up si fort, il y a pas mal de joueurs qui pourraient. Mais c'est comme Shaylord, quoi. C'est des joueurs, il leur manque un petit truc, quoi. Mais franchement, je pense qu'APX vraiment, il va monter. Si un jour il switch d'équipe ou il switch de coéquipier, il a envie de jouer, il rit le jeu, il est intelligent, il est super skillé, il est vraiment doué. Moi je penserais aussi à Mass et Lumpy parce que j'ai joué avec chez Rocket avec eux. Et franchement, j'ai pas joué longtemps au final avec eux, mais quand je suis parti, j'espérais vraiment que l'équipe allait continuer pour eux parce que c'est des mecs pareils, ils peuvent briller quoi. Ils sont bons, ils sont vraiment bons. Et à l'inverse, quel joueur vous voyez qui n'a plus sa place entre guillemets dans le top 1, quel joueur qu'on voit encore dans des grandes équipes entre guillemets ou des grands noms et que vous pensez que. Soit tant qu'il prend sa retraite ou l'inverse, c'est plus dur dans ce sens-là. On parle du retour de Malek ou pas? Je déconne. C'était une joke parce qu'il doit être en train de me regarder. Non, les joueurs prennent pas leur place. Non, si tous les joueurs ils arrivent là, c'est qu'au final ils le méritent plus ou moins quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de joueur qui se retrouve là comme ça, salut, je suis dans une bonne équipe. Enfin, je pense pas que ça. Non, je vais pas dire de nom. Ça fait quand même bâtard de dire non, lui il faut qu'il arrête, il est vraiment trop nul. Ça se dit pas quoi. D'accord. Et juste donc une dernière petite question. Donc au final, vous avez dit vous-même que Lord et par exemple Lord, c'est des joueurs qui prennent pas trop le jeu au sérieux. Mais même enfin au final, LDLC, vous entraînez pas beaucoup. Est-ce que c'est pas inquiétant concernant le niveau global de la scène française de voir que deux équipes qui au final s'entraînent pas beaucoup ou prennent pas forcément le arrivent aussi haut en fait en EPS. Moi, je suis pas trop d'accord pour Lord. Peut-être que c'est l'impression qu'ils donnent, mais moi, je pense pas. Je pense que quand ils jouent, ils sont à fond mais que c'est entre eux quoi. C'est entre eux quoi. Ils parlent pas trop de leur équipe et tout. Et je pense que moi, je les ai joués en prac récemment. Hein. Enfin, ils ont défoncé. Donc non, je pense que non. Moi, je pense que vraiment, ils peuvent faire quelque chose. Mais c'est pareil. Ces équipes, il leur faut du temps. Il leur faut des matchs références. Il leur faut des LAN références. Et pour ça, il faut du temps. Il y a pas de secret, il faut du temps et je pense que avec moi, le je temps, pense que ce qui leur ferait un peu de bien, c'est d'aller faire des LAN Euro quoi, parce que ça motive pas mal. Bon, je voulais te dire, c'est logique, ils pouvaient les emmener sur une LAN inter, ce serait vraiment intéressant pour eux, parce que là ils ouvriraient les yeux sur le niveau inter qui est, je vais pas dire faible parce que c'est méchant, mais au final le niveau français c'est le meilleur niveau qu'il y ait et je sais pas si ils s'en rendent compte en fait. S'ils vont en Europe et qu'ils font 5e et ils sont là, mais on peut être premier. Voilà, ça va peut-être les réveiller. Quoi, faut qu'ils se rendent compte de ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où les Français ont commencé à monter sur la scène inter, c'est qu'on a commencé à faire plus ou moins des pracs en mix avec des joueurs qui viennent un peu de partout. Au final, quand tu es en prac et que tu joues une bonne équipe et que tu n'as pas l'habitude de jouer une bonne équipe, tu n'as pas une pression, mais tu as envie tellement de bien faire qu'au final, c'est naze. Et je me rappelle qu'à une époque où on jouait, c'était. Ça remonte à un moment, c'était avec ASP, Flexor, Nawak et tout ça. Et on jouait Fnatic à l'époque, c'était les CGS, c'était avant les CGS. On défonçait tout le monde. C'était Internet, hein. Et on défonçait tout le monde. On s'est dit, mais attends, les mecs, ils sont pas si forts que ça. Et il se retrouve que deux mois après ça, c'est la Digital Alsace, c'est que Webone, ils battent Fnatic. Et que là, tous les Français, ils ouvrent les yeux en disant, ah, tout le monde est capable de le faire, tu vois. Si ils peuvent le faire, on peut le faire. Et c'est ce qui a fait après que le niveau français, il a énormément, énormément monté. Donc en parlant de LAN internationale, on va passer à DSRAC. Donc c'était vraiment la grande LAN, je pense la LAN 2010. On avait envoyé 3 personnes là-bas et nous, pour ceux qui étaient restés en France, en tout cas, ça paraissait vraiment d'être un truc assez énorme. Et vous confirmez, c'était vraiment bien. Assez énorme dans quel sens? À tout, à la fois au point de vue, enfin c'était énorme au niveau des équipes présentes, au niveau de la grandeur de la LAN, non? La grandeur de la LAN, pas forcément, c'était une LAN au final comme les autres.
D'ailleurs, il y a eu quelques problèmes de PC, mais le fait qu'il y ait toutes les équipes qui soient là, ça n'a jamais été vu, quoi. Donc, Ouais, c'est évidemment, ça qui était bon, c'est qu'il y les avait, Américains, il y avait avait les tout le Américains, monde. quoi. C'est. Ouais, c'est qu'il y avait tout le monde, enfin sur la scène européenne, il y avait déjà tout le monde, il y avait une équipe qui venait, la meilleure équipe Américain, d'Amérique quoi. était là, donc c'était sympa, ouais. Celui qui a. Enfin, il y avait 10 équipes qui pouvaient gagner. Mais les 10 équipes, ils étaient fous, quoi. Ils voulaient trop gagner parce que ça allait. Enfin, ils allaient devenir la meilleure équipe du monde, quoi. Et pour la première fois, c'était. Voilà, quoi. C'était des Américains, la meilleure équipe américaine. On allait voir ce que ça allait donner, quoi. D'accord. Le format de la LAN était aussi, enfin pour nous en tout cas spectateurs, était vraiment sympa. Deux arbres plus un BO3 pour les matchs de winner bracket. Donc pour les spectateurs, c'est vraiment sympa. Mais vous, ça fait beaucoup beaucoup de matchs à jouer. Est-ce que c'est trop ou ça joue quand même? Non, non, C'est franchement. pas trop. Le problème, c'est qu'il y a eu du retard et que ça a été super Ouais, c'est ça. fatigant. C'était vraiment 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 fatigant. Mais non, c'est pas trop. C'est le format qu'il devrait y avoir à toute la LAN parce que c'est le bon format à faire. Ça évite le hasard, tout simplement, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, tu payes pas 4000 euros pour aller là-bas et par un manque de chance, tu tombes contre la meilleure équipe, tu tombes en loser, tu tombes contre une autre bonne équipe ou tu rates ton match, tu reviens chez toi, tu as payé 4000 euros, tu es dégoûté, quoi. Donc, ça devrait être comme ça partout. Après, le fait qu'il y a eu trop de matchs ou qu'on n'a pas assez dormi, c'est venu de problèmes techniques parce que sinon c'était bon, quoi. D'accord. On va donc passer directement dans les résultats maintenant. Rapidement sur les phases de poule. Dans les deux cas, vous avez eu une petite frayeur au début de compétition, vu que donc LDLC vous perdez contre Blight. Et VA Games, vous faites un draw contre Total Gaming. Alors que c'était des phases de poule qui enfin des poules qui de mémoire a priori vous n'étaient pas semblaient pas spécialement compliquées pour vous. Qu'est pas ça? C'est le voyage, Total c'est. Gaming, putain de match de merde. C'est le hongrois, c'est ça? Ouais, saloperie d'Hongrois. Ouais. Alors, ça c'était très dur comme match, quoi. Mais enfin, j'ai un peu merdé au lead. Enfin, je pense que c'est le match le plus merdique que j'ai fait au lead, tout simplement. On a commencé terreau. Il y avait une certaine pression, on n'était pas dans la LAN. C'est-à-dire qu'on avait gagné notre premier match 25-5 en jouant très bien. On était en poule, on pensait déjà au match suivant, à rentrer dans l'arbre. Donc on joue sur Nuke, notre meilleure map. On commence terreau. On a vraiment trop du mal à mettre les premiers rounds, quoi, à mettre le premier round tout simplement, quoi. Donc en fait on part sur un certain style de jeu, on prend l'information de comment ils sont placés. Et là donc on prend 5-0, quoi. Et là je demande ils sont placés comment? Blablabla, on me répond bon ben ils sont placés, ils sont beaucoup sur les côtés. Donc en gros on se dit bon bah on va attaquer l'un T alors qu'on va attaquer direct le BPA et on va pas se poser de questions. Sauf que c'était pas ça, c'était une mauvaise information. Et j'ai pas cherché à comprendre directement, j'aurais dû jouer plus simple parce qu'ils étaient pas forcément très bons en face. En fait on s'est acharné sur leurs points forts, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient trois là où on allait, on ratait nos flashs, on ratait nos smokes, on hésitait parce que c'était pas une bonne équipe en face, que les mecs ils avaient rien à perdre contre nous, ils faisaient des actions individuelles, mais à chaque fois on se prenait trois kills alors que le round était gagné. On n'avait pas la motivation, quoi. On est à la Dezrak, on est favori, on joue contre une petite équipe qui sont en train de nous défoncer 13-2 en side hero. On n'a pas la motivation, quoi. Heureusement, on fait un draw parce qu'on passe on passe en CT, on prend le gunroom. Alors là, c'est la catastrophe, c'est-à-dire on est en écho à 13-2, un truc comme ça, quoi. Non, 13-3. Donc c'est fini, quoi, le match est fini. Bon, NBK, il nous sort un 4 kills. Ouf. Et du coup, derrière, on peut remonter parce qu'ils sont pas, enfin, ils sont pas très forts et ils n'ont pas de jeu en terreau, quoi. On a complètement foiré notre match, voilà, c'est tout. Et toi, donc tu jouais pas pour le match de poule, KRL, t'étais derrière eux, qu'est-ce qui passe par la tête quand on voit son équipe se faire. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match de poule, C'était mais notre je sais plus dans quel deuxième ordre match, c'était, il me semble, notre deuxième une match de défaite poule. dès le deuxième. Sachant que c'est Ouais, des poules de 3, on donc. avait que deux matchs, ouais. C'était le deuxième match, donc on jouait la première place de la poule. Mais c'était. C'est ce que je leur ai dit au début, c'est des mecs qui sont bons, mais si tu fais une bonne game, tu les bats, c'est ce genre d'équipe-là, parce que ils n'ont pas de jeu terreau. Je veux dire, sur le site terreau, pour moi, je les assimile avec les Allemands, les Hellblind et tout. De temps en temps, il y a un mec qui va faire une passe sur un BP, ils vont marquer 3-4 rounds sur le site terreau, et sur le site CT, ils vont être forts, ils vont avoir des gros site CT. Donc il suffit de faire un bon site terreau et de gagner la map, quoi. Mais on est resté dans le contenu de la PXL. En plus de ça, après la PXL, moi je trouve qu'il y a eu, je sais pas comment dire ça, mais l'équipe elle s'est cassée en deux, quoi. Il y avait Shulk et Smith d'un côté, puis les trois autres de l'autre, et
c'était voué à l'échec, quoi, déjà avant la LAN. Enfin, faut dire la vérité, quoi. Avant la LAN, c'était déjà sûr que. Enfin, moi, de mon point de vue, c'était soit Shox et Smith, je dis honnêtement, c'est soit Shox et Smith, ils étaient de fou, ils emmenaient l'équipe en finale ou allaient gagner la LAN. Ou soit bah, on perdait le match de poule, on tombait dans le loser et on perdait la LAN, enfin on faisait rien quoi. Au final pour moi c'est comme ça que ça. Il y avait que ça quoi. Je voyais pas l'équipe faire. Je voyais pas le groupe aller loin ensemble parce que déjà il n'y avait pas de groupe, faut dire la vérité. Même si en dehors du jeu ça se passait bien, dès qu'on rentrait sur un serveur de jeu, il y avait. Je sais Non, pas, de il toute n'y avait plus façon, rien. il se chiait dessus, quoi. Il fallait quelqu'un qui les Il n'y avait plus réveille, rien, il parce n'y avait plus qu'il n'y a pas rien beaucoup de KRL pour aller à une équipe, quoi. et après voilà, ça a recommencé pareil, hein, comme à la PXL, on commence terreau et on met pas de drone quoi. On n'est pas capable de rentrer sur un VP ensemble et voilà. Et on perd logiquement quoi. Voilà. Sur la suite de l'arbre en quart de finale, donc non, pas, on recommence sur le phase finale, donc au niveau de l'arbre, Verigames, où déjà vous concédez une map aussi contre Zero Empathy. Donc c'est vraiment un début de compétition laborieux, on va dire un petit peu quoi. Bon bah là, dédicace à mon teammate Rainham. Donc là, on sort du match de Total Gaming, on se dit bon maintenant les mecs on va se réveiller parce que sinon on passera pas les huitièmes quoi. Donc là gros débrief, on s'explique, on s'engueule, voilà chacun bout ses torts et tout, on repart, on est à fond quoi. On se dit maintenant on leur casse le cul, on donne tout, on crie à chaque round. Le matin je leur dis les mecs franchement. Vous allez m'entendre à chaque round, toute la LAN va savoir qu'on a gagné ce match, machin. Rainham, il va faire des veto, il revient et il me dit première map de train. Là, je le regarde dans les yeux et je fais première map de train, t'as oublié quel c'est. Enfin, t'as veto quoi, tu vois. Et le mec, il me dit ah, ben j'ai veto Tuscan. Je fais ah, ok, t'as veto Tuscan, bon, ouais, c'est bien, c'est la map que tu devais choisir, tu vois. Et il me regarde, il fait ouais, je suis désolé, j'ai oublié que train faisait de la partie de la map list. Je fais ok, c'est cool. Donc on commence le match sur une map qu'on n'a pas préparée. Donc dur quoi, mentalement dur quoi. Et là, encore mes teammates, ils se posent pas trop de questions, ils disent pas pourquoi on joue train quoi, tu vois. Et donc on train map où on n'est pas très performant, bien qu'on aurait pu gagner quoi. Et style 2-3 rounds avant la fin, t'as RPK qui fait, mais pourquoi on joue train quoi? Pourquoi on est en train de jouer une map qu'on n'a pas préparée, où on n'est pas fort Et là, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde quoi? Voilà, Rainham, il a rien à répondre quoi. Donc on perd la première map, là on est au fond quoi, on est vraiment au fond, on a envie de. Voilà quoi. On peut pas faire des erreurs pareilles quoi. Donc voilà quoi. Pourquoi on a perdu Train? Moi j'ai fait perdre le premier match, lui il a fait. Enfin j'ai fait le draw. Et lui, il a pris le train quoi. LDLC, vous tombez contre les futurs finalistes, les Canadiens, Dynamic. Vous perdez, donc ils vous emmènent et qui vous font sortir en loser bracket. Qu'est-ce que. Je me souviens plus, t'avais joué ce. T'étais Non, non, j'ai pas pas joué, j'ai encore. pas Oui, joué. t'es rentré en loser bracket. Qu'est-ce qui s'est. Bon, globalement, ils étaient plus forts. On a joué D2 et train. On start sur D2. Je crois on leur met genre 12-3 ou 13-2. Et franchement, là, j'ai les sourires jusque-là parce qu'on joue bien. On est terreau, on joue bien, on joue ensemble et tout. Et franchement, ça faisait plaisir à voir, quoi. Ça faisait vraiment plaisir à voir. J'étais content. Et on passait le tour 14-0. Donc voilà, quoi. Enfin, la joie s'arrête. Ouais, je dirais pas qu'ils avaient un sac terreau de fou parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous, notre côté, bah, c'est voilà, ils mouvent pas de défense. On est en train de subir le jeu. Les mecs, en fait, c'est des mecs qui avancent pas. Ils sont en contrôle map pendant 1 minute. Ils attendent qu'il y ait un CT qui prenne l'info et faire un free kill, quoi. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On a pris des free kills des mecs qui allaient prendre une info, qui prenaient un kill. Et quand on a voulu rester trop reculé sur les BP parce qu'on s'est dit qu'il faut plus se montrer, bah les mecs ils rentraient sur les BP en slow et ils se gavaient quoi. Du coup on prend une raclée sur D2, enfin on prend une raclée. Enfin, le score est serré mais on n'a pas mis un round sur ça c'était. Après on passe sur train. Je crois qu'on commence cet été en plus. Mais c'est l'apocalypse quoi. 16-4 je crois, donc ouais c'est. Ouais, 16-7. En parlant dynamique, donc ils finissent finalistes. Ils ont fait donc un parcours plutôt, enfin un très bon parcours, qui n'était pas forcément attendu par beaucoup de monde. On a beaucoup entendu parler avant le début de la LAN des différences, des éventuelles différences de style de jeu entre le style de jeu américain et le style de jeu européen, etc. Vous concrètement, vous l'avez ressenti ou ils jouent comme nous en fait? Ah non, ils jouent pas comme nous. Hein. Justement,
on nous avait dit, moi j'avais pas trop regardé sur CV des Américains. On nous avait dit, ouais, les Américains, ils rushent partout, ils font n'importe quoi. J'ai jamais vu une équipe aussi lente, quoi. C'est hallucinant. Quand tu les joues, tu te fais chier concrètement. Ah ouais, non, mais tu te fais vraiment chier, quoi. 1 minute 30, ils bougent pas. Parce que toi, t'es là, tu lâches ta flash. Ils jouent avec Dostin, donc tu sais que tu peux pas. Tu peux pas prendre l'info, en fait. Tu peux de t'avancer déjà. Et ensuite, t'as toujours un mec qui vient fait que, en général, un BP tout seul, se donner. Et vu qu'il reste 25 secondes, en général, t'as un mec qui paye dans ton équipe et qui crie c'est ici, alors qu'il y en a quatre autres qui attendent de l'autre côté, quoi. En fait, ça met l'équipe adverse en tension. Parce que toi, t'es là, t'attends pendant 1 minute 30, tu vois une flash, t'as l'impression qu'il y a 15 mecs devant toi, quoi. Alors que non, il se passe rien, mais tu peux pas prendre l'info, c'est horrible parce que t'as une bisu à la M4, t'as un AWAP qui décale en face. Bon, au pire, tu le tues, t'as un deuxième AWAP qui décale derrière. Enfin, tu peux pas bouger, t'attends que ça vienne. Et quand tu crois que ça vient, tu stresses comme un malade, t'annonces n'importe quoi, et il passe de l'autre côté et ton équipe elle t'engueule parce que t'as dit de la merde, quoi. Est-ce que c'est pas le fait qu'ils ont un jeu complètement très lent qui font qu'ils sont premiers sur le continent nord-américain, en fait, contre un style de jeu complètement à l'opposé des autres équipes qui pourraient leur réussir mieux? Je connais pas vraiment les autres. Je suis pas du tout. La scène US. Parce qu'ils ont fait ils sont coutumiers des grosses remontées. Ils ont fait ça un peu tout au long de la LAN. C'est assez impressionnant. LDLC, Very Games, le match contre Speed Gaming est relativement en demi, en quart de une braquette est relativement vite expédié, deux maps à zéro. Un petit mot rapide ou non, on va dire qu'à partir des demi, on commence à se relâcher, quoi. Voilà, au final, on a bien terminé contre zéro empathie après la désillusion sur le train. Donc à partir de là, on commence à se mettre en confiance. On fait des bons rounds individuellement. On commence à se mettre en confiance individuellement. On sort nos petites actions. En équipe, ça se passe bien, on déroule, quoi. Là, on commence vraiment à avoir notre style de jeu, notre niveau, et on s'impose assez logiquement au final, quoi. Vous affrontez les Dynamic en demi-finale du Nord Bracket, vous concédez à nouveau Train de mémoire, c'est la seule, c'est deux maps 1. Pour récapituler, vous avez Zoro Empathy en 8e, les Speed Gaming en quart de winner et Dynamic en demi. Une en braquette. Attends. Et là, il y a deux maps. Dynamique. On n'a pas encaissé Train. Hein. Vous avez perdu une map. Alors, c'est quelle map? Ouais, mais on a encaissé Tuscan en demi Tuscan. Et Train en, Train en grande finale. Tuscan, quoi. C'était Tuscan, c'est une map qui joue pas du tout aux States de mémoire. Qu'est-ce que ils ont. Là, en gros, juste avant la demi-finale, je branche ma souris, je clique, ça clique pas. Donc là, gros stress. Moi, j'ai une souris que Persona. Donc la cop, ouais, grosse souris de merde. donc là, gros stress. Bon, la première map, c'était quoi la première map? C'était. On avait joué quoi comme première map? Train, Inferno. On avait joué Inferno, donc là, ça se passe relativement bien. On joue bien. Ma souris, elle fonctionne, donc on est au-dessus. Après, on va sur Tuscan. Les Américains ils l'ont jamais joué et c'est ce qu'ils disent, quoi, mais d'après moi ils l'ont quand même traqué un petit peu et mais là par contre plus de souris, quoi, plus rien pendant tout un side, voilà, quoi. Et on aurait quand même dû gagner, mais bon, ils jouent très lentement, on n'est pas habitué à ça, donc il faut un temps d'adaptation. Franchement on aurait gagné si j'avais mis ma souris, c'est pas pour faire genre et tout, je pense que ça aurait été serré, mais jouer à 4,5 contre 5 parce qu'elle clique une fois sur deux, sur Tuscan il faut un rush middle, il y en a un qui passe middle et 4 Panta, ils font un stop Panta et mec middle il tue tout le monde de dos et moi je suis derrière lui à la WAP et il se passe rien, quoi. Donc voilà, ensuite je pense qu'on aurait mis 2-0 et. Okay. Pendant ce temps-là, LDLC, vous remontez une bonne partie, tout le loser bracket en fait, et avec un petit changement de line-up. Donc du coup, vu que tu réintègres le line-up en tournant, comment ça s'est passé en fait? Après le match dynamique, ça collait pas, et après la PXL, on s'était caché en interne parce que les joueurs se le disaient, mais il n'y a jamais eu une réelle conversation de groupe en se disant ça va pas, quoi. Et au final, c'est ce qui s'est passé plus ou moins à Deathrack. Il y avait Alex qui était un petit peu isolé parce qu'il faisait une lane de merde et il était plus dans son coin, il regardait les matchs. Et du coup, ils ont parlé et il y a Iso, il l'a dit, quoi. Enfin, au niveau du lead, ça collait pas. En tout cas, pas avec les joueurs qu'il y avait là.
et qu'il fallait changer. Du coup, Steph, il m'a dit que, enfin, Iso, il m'a dit, Steph, prends ma place pour le loser. Et il m'a dit, moi, j'ai pas envie qu'on vienne ici. Il me dit, je sais que si tu joues, on pourra remonter un petit peu et pas être ridicule. Il me dit, j'ai pas envie d'être venu au Danemark pour faire un top 16 qu'on est passé pour un con. Donc, au final, Steph, il m'a laissé sa place pour le premier match du loser sur, je sais plus contre qui, Cashville, je crois. Ça, Cashville? Ouais. Ouais. Sur Toscane. Bon, c'était, ouais, voilà, on gagne parce que c'est personne en face. Et du coup, après, il y a Alex qui laisse sa place à Steph. Et du coup, après, ça tourne. Voilà, ça tourne. Et donc le roulement s'est bien passé, il n'y a plus de Ben justement, au langue final, à c'est ça, couper. c'est ce que j'ai dit moi, à la fin de la LAN, c'est que j'ai apprécié que tout le monde. Non, on a été solidaire en tant que groupe, parce qu'après, tout le monde s'est dit, vas-y, bah, on fait ça comme ça, on tourne et on essaye d'aller le plus loin possible quoi, ensemble, quoi. Donc à cette LAN aussi, on a vu pour la première fois depuis très longtemps des équipes allemandes en une LAN européenne. Donc MTW, SK, il y avait Speedlink aussi. Comment donc MTW sont arrivés en. Vous les avez affrontés en finale du Winner Bracket, mais globalement, comment vous avez trouvé le niveau des équipes allemandes? Parce qu'ils ont quand même pour rappel, ils ont un championnat, enfin des saisons EPS qui sont très importantes en Allemagne avec. Je pense que les Allemands, s'il y avait des tournois sur Internet, ils seraient riches. Faut être honnête, quoi. Nous, on les joue sur Internet, ils sont vraiment plus forts. Ils ont fait une bonne LAN. Je pense que, en tout cas, MTW a fait une bonne LAN. SK, ils ont fait quoi? Parce que On les a bah, ils ont sortis, été nous. sortis par LDLC. Ouais. Ils ont fait 8e, un truc comme ça? Ou tour 3 Enfin, déjà. bof quoi, au final SK bof quoi. Mais bon, SK on les attendait pas vraiment, MTW était vraiment au-dessus et ils ont confirmé quand même quoi, ils ont fait 3e, ils ont Moi fait des bons matchs. j'aurais bien aimé jouer MTW parce que je pense qu'ils méritaient pas leur place de top 3. Enfin, moi je pense qu'on les aurait battus dans le loser parce que franchement ils étaient pas. C'est vrai que nous on les a joués, ils ont pas été solides. Hein. Ouais. Enfin, Moi j'ai beaucoup passé moins un solides que moment. Sympa, de maths à zéro. C'est une équipe que j'aime bien, enfin, les joueurs qui se voient, je les aime bien, c'est les mecs avec qui je m'entends bien sur Internet, enfin, avec qui je joue un peu et tout. Et j'espérais pour eux qu'ils aillent loin, mais au final, ils développent pas du tout le jeu qu'ils développent sur Internet, quoi. C'est. Sur Internet, j'ai l'impression de voir l'ordre quand on les joue, quoi. C'est-à-dire, il y a des mecs qui vont faire n'importe quoi, Ah, ils vont te rusher, ils sont solides, ils hein. s'en Sur foutent, quoi. Internet, ils sont solides, hein. Franchement. Nous, on les gagne, franchement, pendant tout un temps, on les gagnait pas beaucoup au final en Prague, quoi. Franchement, on avait peur, quoi. On se disait, on arrivait en LAN, on se disait, waouh. Là, on va se réveiller. Mais au final, on n'avait pas de pression hein, les joueurs, quoi. C'est ça la différence, c'est que eux, ils ressentent le besoin de confirmer le résultat d'Internet. Et nous, quand on arrive, on leur crie dessus parce que ça change, quoi, parce qu'on gagne là, alors que sur Internet, c'est pas pareil. D'accord. Et au cours de la LAN, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a particulièrement surprise ou un joueur que vous avez entre guillemets découvert qui a attiré votre attention ou non? Moi, j'ai vu. Je sais pas c'est quoi ce nom, mais j'ai vu un Danois. Au sniper qui a joué contre Ryzen Gaming et qui était fou quoi, qui était fou et il courait sur les détections sniper, il ouvrait, il courait dans les flashs, il mettait des on-scopes à tout le monde. Je sais pas c'est quoi son nick, je saurais pas dire. Les mecs ont sorti Ryzen. Il est plus ou moins connu mais je saurais pas dire c'est. C'est crasse? Dans les c'est Non crasse c'est chez. Non c'est des Danois, c'est des Danois. C'est genre les mecs ont sorti Ryzen dans le loser. DNG non peut-être? Attends il est qui chez devant. C'était, je sais plus, c'est pas C'est Zero Empathy aussi. Ouais, c'est un genre, c'est Zero Empathy, ouais. Ouais, bah c'est. Ouais, Undone, un truc comme ça, non? Pas Undone. Pas Undone, parce que je vois très bien qui c'est, mais. Leur sniper, je sais pas c'est quoi. Une équipe, éventuellement? Une équipe qui t'a surprise? Bah, Dynamique, hein. Tu peux avoir les papiers, c'est vrai que ça, je vois les équipes. Dynamique, moi, Dynamique, je les ai trouvés bons. Après, les autres équipes. SK, ils étaient nuls, parce que nous, ils ont joué dans le loser, franchement, ils étaient nuls. Speedlink, j'ai trouvé meilleur Speedlink que SK en fait. On a joué Speedlink sur Nuke juste avant et ils jouent en équipe en tout cas. Ils jouent en équipe et c'est ce que je reproche enfin, aux équipes allemandes, c'est SK, ils sont terreau, mais ils ont start terreau contre nous et je crois qu'on leur a mis genre 13-2 ou un truc comme ça quoi. Ouais, 13-2 ou 12-3 on a fait parce que les mecs dans cette terreau, bah ils attendent mais ils sont incapables de rentrer sur un BP et quand ils rentrent, bah c'est nul ce qu'ils font donc tu mets des rounds facilement. En tant qu'équipe, il y a Excellon qui a élevé leur niveau de jeu hein, par rapport à d'habitude, vraiment. C'est Donc, crasse, laboratoire. C'est crasse, non? C'est crasse, Excellon? Non, c'est une autre équipe, ça? Non, Je les vois pas, moi, c'était bon sur ma braquette. Ouais, ben, peut-être qu'ils doivent être là. Là, Excellon. Ils sont fait pas, Excellon, ils sont fait sortir par Dynamic dans le loser bracket. Ah, ok. D'accord. Donc, petite. Donc cette LAN, la DS Track 3, c'était une bonne LAN, vous êtes content, vous finissez donc top 4 pour LLC, donc qui est plutôt. Bah. Encourageant par rapport au début, ouais, on a par rapport tout au début, dire. c'est bien, ouais. Mais au Vous, final, Play Games premier. le résultat, c'est pas top. Quand on remonte le loser, pas de monter sur le podium, ça fait un petit pincement au cœur, quoi.
Donc la future, donc pour la suite de la saison, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas grand chose qui s'annonce. Donc normalement, il y a le Max LAN qui a été annoncé pour mars. D'ici là, à part les EMS, vous avez des choses de prévues? Nous, on est sortis des EMS, donc. Nous, on a on doit jouer MTW. On a EMS, donc on est en demi, c'est ça? C'est les demi là, je pense, non? Quoi? Ouais, SK ou MTW. Donc là, faut assurer quoi. C'est gros match. Si on gagne ce match-là, d'après moi, on ira en finale et on gagnera sûrement la finale. Quoi. Mais bon. D'accord. Il y a des rumeurs comme quoi tu devrais faire un break au niveau du jeu. Ah bon? Tu confirmes ou non? Rien à dire dessus? Si, bah là, je vais moins jouer jusqu'à février. Donc voilà, tout simplement, je confirme la rumeur. D'accord. Moins jouer. Je vais continuer à jouer, mais je joue beaucoup moins. Quoi. Et il y a une autre rumeur qui indique que Smith irait chez Very Games. Ça? Rumeur. C'est une rumeur. D'accord. Si c'était le cas, on a entendu à une époque pas mal de mots entre guillemets sur Internet en disant à l'époque où RPK est arrivé chez Very Games que finalement. Si c'était le cas, ce serait surprenant si ça arrive. Finalement, ils seraient d'accord pour rejouer ensemble. De quoi? Répète. Smith et RPK, ils seraient d'accord pour rejouer ensemble, par exemple. C'est bon. D'accord, c'est leur problème. C'est leur problème. Hein. Je me sens pas concerné. Et toi, KRL, tu devais arrêter, mais bon, finalement, ça a l'air de te réussir, de te remettre à jouer. Qu'est-ce que. Moi, j'ai. Après, la raison principale que j'ai arrêté, c'était le travail, parce que j'avais pas du tout le temps de jouer, vu que je travaillais le soir. J'ai arrêté de travailler en octobre, là où j'étais, pour trouver quelque chose où justement je pourrais plus m'investir dans le jeu. Au final, je comptais investir comme coach avec LDLC à fond, mais vu qu'LDLC c'est tombé à l'eau avec Smith et Shox, vu que c'est des mecs que j'apprécie énormément dans le jeu, je me suis dit pourquoi pas me lancer avec eux. Et voilà. Donc pour le moment, on refait LDLC. On a une line-up, on l'a pas officialisé encore, donc pour moi il n'y a rien de sûr jusqu'à qu'on l'officialise. Mais voilà, on a une équipe, on essaie de jouer et voilà. D'accord. On va revenir maintenant sur le rôle le rôle du leader in-game, vu qu'on vous a sous la main. C'est quoi son. Alors déjà, c'est concrètement, c'est quoi le rôle d'un leader in-game au cours d'un match? Ça peut être beaucoup de choses. Au cours d'un match, c'est parler, mais en général, c'est plutôt porter l'équipe, quoi. C'est de différentes manières, évidemment. En redirigeant, donnant des strats. C'est le mec qui porte l'équipe dans le sens où il encourage. Voilà, quoi. Lui, il est toujours à fond. Après, c'est peut-être dans l'investissement aussi. Il faut être intéressé. Il faut savoir bien parler, se remettre en question. Gérer l'équipe aussi dans ce sens-là. Dans le sens où s'il y a un truc qui ne va pas, il faut trouver directement. Il ne faut pas... Faut pas qu'il y ait un malaise qui reste ou un truc comme ça quoi. Faut en parler directement, faut mettre les choses à plat. Et... Après, je pense que tu peux amener. Enfin, tout le monde peut être leading game, tout le monde peut amener son truc à lui quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Okay. On entend souvent qu'il y a des grosses différences de leading game entre vous deux. Qu'est-ce que t'es d'accord avec ça, Karel? Ouais, c'est sûr qu'on voit pas le jeu de la même façon. Mais surtout ce qu'il a dit, je suis d'accord. Sauf pour le fait que tout le monde peut le faire. Moi, je pense que. Ouais, non, tout le monde. Enfin, je pense que pour le lead, faut savoir se faire écouter. Faut savoir se faire écouter. Mmh. C'est sur Internet, c'est dur. Sur un Mumble, prendre la parole, que ce soit n'importe où, hein, sur un pitch-up ou quoi. Prendre la parole et savoir se faire écouter. Il y a des gens qui parlent. Je suis sur un Mumble tous les jours. Il y a des gens qui parlent et qu'on n'écoute pas. Il y a d'autres personnes qui, quand ils prennent la parole, on les écoute. Ouais. Et je pense que la principale qualité, c'est ça. C'est savoir se faire écouter et savoir imposer aux autres ce qu'on dit en fait. C'est assez dur. Moi je trouve que c'est assez dur, enfin, ou dans le sens où faut savoir se faire respecter, mais faut être aussi être indulgent, mais ne pas l'être. C'est vraiment dur. Il y a un vrai équilibre. Si le mec il fait que t'écouter, il peut pas jouer comme toi tu veux quoi. Il faut qu'il garde sa manière de jouer en même temps qu'il t'écoute à moitié, histoire qu'il y ait un teamplay quoi, tout simplement. On va creuser un petit peu chacun, en quoi vous jugez que le lead in game de l'autre leader in game est différent? C'est quoi pour vous les différences entre vos deux styles de lead? Je pense que Exil aime bien aller sur un serveur de jeu tout seul, c'est du stuff et tout. Moi, je,
Moi, je supporte pas faire ça, quoi. Déjà, d'une part, je supporte pas aller sur un serveur pour aller acheter des smokes et des flashs. C'est peut-être un défaut, mais dans le fond, j'arrive pas. Moi, ce que j'aime faire quand je joue avec mon équipe, c'est jouer, leur expliquer ce que je veux qu'ils fassent, entre guillemets, plus ou moins. Enfin, moi, j'aime beaucoup jouer sur des contrôle maps, des 2-1-2. J'aime bien attaquer la map de partout, pique des frags et après rediriger mon équipe. Et voilà, donc forcément au début c'est dur. Donc j'essaie, au fur et à mesure des pracs, j'explique sur cette phase de jeu, si les mecs jouent avancer à part sur Inferno, comment faut se déployer, qu'est-ce qu'il faut faire. Si les mecs sont vraiment forts à appartement, ne pas hésiter à aller jouer le T directement, se taper dans le T par exemple. Enfin, moi j'aime bien. Moi en fait ce que je veux, c'est que les joueurs, ils, je sais pas comment dire ça, qu'ils ressentent le jeu, tu vois. Quand si Very Game à notre époque ça marchait bien, c'est parce qu'on avait une équipe qui avait le même objectif, c'est-à-dire. Quand à la fin, quand je disais 2-1-2, les binômes, c'était le premier arrivé sur son BP, il avait gagné. Donc forcément, quand tu dis ça à des mecs, go les mecs, courir sur le BP, aller tuer tout le monde, bah, ça leur fait peur parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, mais au final, c'est faisable d'aller, d'aller chercher des frags sur tous les BP en même temps. Si tu as des binômes solides, qui savent quoi faire, s'adapter. Et voilà, au final, c'est ça, c'est comprendre. Je pense que quand tu arrives à faire un bon contre-map, c'est que tu as bien compris le jeu. Parce que, enfin, je donne l'exemple avec LDLC à l'heure actuelle, on n'arrive pas à prendre la corde sur des deux, quoi, tu vois. C'est un vrai sondage. Faire des bons contrôle maps, ça se fait pas avec n'importe qui, quoi. Ouais. C'est le mec qui doit comprendre. Enfin, tu fais un contrôle map avec des joueurs peu expérimentés ou voilà, pas top, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais ils vont se faire tuer après 5 secondes de jeu. Tout le monde va mourir à part un, ouais. Ouais. C'est ça. Et c'est ça, en fait. Ils vont pas jouer ensemble, ils vont décaler une ligne, mais il faut pas. Ils savent pas jouer tout seul, quoi. Il faut leur mâcher le travail. Et moi, c'est peut-être. Je trouve que Exil est fort, c'est ça, c'est l'image de travail à tous ces joueurs. Et là, on dit ce qu'il faut faire à la lettre. Après, je pense pas que ce soit super bien, mais au final, ça marche parce qu'ils gagnent. Mais moi, c'est ça, enfin, j'aime bien que mes joueurs ils soient libres à faire ce qu'ils veulent, même si au final, c'est moi qui les contrains à jouer comme ça, mais qu'ils aient le sentiment d'être libres et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie dans le jeu. Parce que quand on était chez Very Game, quand Shox avait envie d'aller ouvrir la banane, vas-y, tu vois, va ou quand RPK il voulait ouvrir le couloir, va, tu vois. Quand on jouait sur Nuke, voilà, c'est. Je sais pas, c'est. Bon, en plus, quand je le dis, c'est tellement simple d'aller prendre la rampe sur Nuke, ils peuvent être 4 rampes, c'est quoi le problème? C'est-à-dire, tu mets 2 flashs, tu commandes tes flashs, ils étaient forts pour faire ça, ils ont été forts pour aller. Voilà, moi en fait, moi, mes joueurs, j'essaie de leur apprendre à, je sais pas dire, à courir, mais ne pas avoir peur, aller chercher des kills et aller se revenge et jouer rapidement. C'est dangereux, quoi. Le truc, c'est que ça marche avec des bons joueurs, tu fais ça avec Shox, avec Smith, avec RPK, ça marche. Quand tu sors de ça, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, quoi. Moi, je le sais, moi j'ai un style de jeu différent, comment dire. C'est vrai que moi je mâche le travail à mes joueurs, c'est-à-dire je peux jouer avec des joueurs moins forts, mais je vais quand même réussir à faire quelque chose après, Kerel aussi évidemment, mais c'est. Je veux dire, moi j'ai gagné la Tex avec. J'ai gagné 2 fois la Tex avec des joueurs qui étaient forts. Avec Akamat, non mais dis-le. Avec Akamat. Vu qu'on est là, on peut en parler. Il a gagné la Tex avec Akamat. Et donc avec des joueurs qui étaient beaucoup moins expérimentés parce qu'au final on avait un jeu, on était fort en équipe. Après, la 2-1-2 ça marche mais pas avec tout le monde. Ou alors j'attends que tu me le prouves, quoi. C'est trouble et... Ça arrive. Voilà. Et comment on apprend un binôme à travailler ensemble, à prendre la corniche, etc. C'est juste une question d'accumulation de jeux ou après ça vous arrive de regarder vos propres sources TV pour analyser les erreurs que vous avez faites ou non? Pas moi. Ça peut se régler de plein de façons. Après, ça, le binôme, c'est eux, ils parlent ensemble, on se conseille. Quand il y a quelque chose qui marche pas, on se retrouve juste après, on dit bon, ben, tac, ça a pas marché, on va essayer comme ça, pourquoi ça a pas marché, voilà quoi. C'est en discutant, en se remettant en question. Ouais, moi, au final, j'ai pas eu beaucoup de line-up, mais je sais qu'avec Shock Smith, RPK et Matt, ce que je faisais, c'est que j'ai vraiment séparé l'équipe en deux. Je les ai mis chacun de leur côté. Et de leur faire comprendre que Matt et RPK ils devaient jouer ensemble et qu'ils devaient faire ce qu'il faut pour prendre leur zone. Même si c'était à eux d'aller sur un serveur et de voir des trucs, je m'en foutais, mais je voulais que eux, ils arrivent à prendre la barre cette fois. Enfin, je suis sur Inferno, ils devaient prendre la barre, c'est eux qui devaient prendre la rampe. C'était leur objectif pour moi. Ils devaient prendre cette zone-là dans la map. Et c'était leur boulot, voilà. C'était leur faute. Moi, ce qu'on faisait en fait, c'était qu'on faisait genre, sur Inferno, on faisait reculer tout le monde. Voilà, ils n'avaient plus la banane, ils n'avaient plus le thé, ils étaient dans le bac. Et au final, quand tu sais où les CT sont placés, ça devient facile d'attaquer un BP, ouais. Parce que tu sais où flasher, tu sais où tirer. Et
Au final, c'est ça, c'est de faire reculer les mecs et de leur imposer ton propre style de jeu. En même temps, quand tu lances un RPK dans le T, c'est facile, ils sont même pas reculés, ils sont morts. C'est différent, quoi. La mise à jour de... vous avez donc un jeu qui est quand même chez Vary Games qui est assez construit, qui utilise beaucoup le stuff. La mise à jour du moteur source avec les différences avec les flashs, vous avez dû retravailler beaucoup de stuff ou finalement vous n'avez pas trop ressenti le... On va dire que la map où ça nous a vraiment posé problème, on va dire, enfin problème, vite fait, c'est sur Nuke, parce que les stuff là ils sont vraiment utiles, nous on jouait beaucoup comme ça. Sur les autres maps, maintenant qu'on commence à avoir des joueurs qui sont plus solides, plus expérimentés, que je peux lâcher... maintenant au final vous nous regardez, c'est que du contrôle map quoi, c'est notre principe, c'est de partir très 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 souvent en contrôle map quoi. À part si vraiment on voit une faille à un moment où il faut réagir. Donc non, au final ça nous a pas posé de problème parce qu'on a un jeu quand même qui est beaucoup plus libre maintenant. Et bien que les stuff sont importants, mais non, franchement non. À part sur Nuke, non, ça n'a pas changé beaucoup. Vous avez fait partie d'équipe quasiment professionnelle, on peut le dire. Donc où il y a en plus du leading game, il y a des managers, une structure derrière, etc. Quel est le rôle aussi du leading game au niveau de la composition, de déterminer la composition de l'équipe quand il s'agit de choisir, de recruter un last ou truc comme ça. Comment ça se passe? C'est le leading game qui voit un joueur, qui l'impose, ou chacun vous discutez avec tous les joueurs? Non, de toute façon, tu peux pas imposer un joueur à ton équipe, tu es obligé. S'il y a un mec qui veut pas jouer avec lui, c'est mort, quoi. Après, ouais, c'est que, enfin, on a quand même une parole un peu plus importante. C'est une décision de groupe, je pense que tu peux pas. C'est pas forcément le lead. Ouais, c'est une décision de groupe. Après. Le conseil est toujours plus important, c'est le leading game, quoi, mais. C'est avec le leading game. Non, en général, quand j'ai proposé des joueurs à mes équipes, ils ont rarement dit non, quoi. Enfin, quand tu proposes un joueur. Quand ton équipe a fait confiance, en général, à moins qu'il y ait que les joueurs ne s'entendent pas entre eux, enfin, qu'il y ait des problèmes externes, en général, quand je pense que l'existe soit pareil, quand ils proposent un joueur, on lui dit ouais. Quoi. Enfin, si tu proposes, c'est que tu sais qu'ils vont logiquement dire oui. Quoi. Ou qu'il y a des raisons. Si moi, je trouve qu'il y a des raisons pour recruter un tel, tout le monde le comprend logiquement. Alors, cette question un peu débile, mais est-ce que c'est important que le leader in game ait aussi un bon skill individuel? Enfin, on a des exemples, genre par exemple, il y a quelques temps, ASP, t'es souvent considéré comme un petit peu en dessous en termes de niveau de jeu, alors à tort ou à raison, je sais pas. Même toi, KRL, une époque, tu t'es fait notamment lamer par Guardian en disant que tu servais qu'à dropper des armes à tes coéquipiers. Ouais. Bon, alors depuis, t'as pas mal skill up et il me semble qu'à la LAN en question, tu as géré la poussière raison. Mais... parce que pour me défendre moi-même, il a dit ça après la 119. Je pense que la 119-2009, ça a été ma meilleure LAN de loin. Parce que non seulement au niveau individuel j'ai été très fort, mais en plus de ça j'ai rarement aussi bien collé dans le jeu parce que tout ce que j'ai annoncé c'était parfait, mais tout ce que j'ai annoncé ça a marché. Peut-être qu'on avait l'équipe pour que ça marche, tout le monde était chaud, mais cette LAN franchement sur mon plan personnel j'ai jamais été autant satisfait d'une de mes LAN, donc il me dit ça m'a fait rire, enfin, ça m'a pas vraiment touché dans le fond. Mais je pense que c'est important parce que c'est dur d'écouter un mec qui est à 2-8, quoi, tu vois. Quand t'es un mec en terreau qui. Quand, je veux dire, c'est Exi, il est à 0-12 et qui dit go les mecs, faut qu'on mette les derniers rounds, go ouvrir les BP, go. Wesh mon pote, va ouvrir le BP toi, t'es pas fait de frappe. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es un mec qui est. C'est sûr, quand tes joueurs ils savent que t'es capable de faire toi aussi la différence, quand tu dis quelque chose, ça a plus d'impact, mais c'est normal quoi. C'est comme si t'as un noob qui venait de dire, qui venait de donner un conseil, même s'il a beau être bon. C'est un peu comme Guardian. Non, mais non, c'est lui qui était MVP. Non, je parle pas pour Guardian, mais je veux dire, quand t'as quelqu'un qui te dit quelque chose, bref. Quand tu calls, c'est important de fraguer. Je prends l'exemple sur un point 6, il y a Ostriker qui est connu pour ça, pour être un super bon caller, mais dans le jeu, c'est pas une bête de skill. Au final, s'il a eu autre. Si dans toutes les équipes il était refoulé, c'était à cause de ça le pauvre, alors que c'est un putain de bon colère. Ah, je pense que Guardian il a plus dit ça parce qu'il est vraiment la rage de s'être fait défoncer en finale. Pas envie de le protéger, mais c'est un peu ça quand même. Quoi. Je suis sorti de la conversation de Guardian, moi je parle de ouais, ça. Je sais. Mais... mais ouais, moi je pense que ouais, c'est important. C'est important que d'être solide quoi. De toute façon, quand j'ai parti d'une grosse équipe, si t'as un mec qui est en dessous au niveau du jeu individuel, que ce soit en terreau ou en satellite, ce sera un poids pour l'équipe quoi qu'il arrive. Donc si en face t'as 5 mecs qui sont plus forts que toi, bah tu perdras quoi. Donc c'est dommage d'avoir... je vois pas pourquoi on dit qu'un lead il peut pas fraguer, enfin je comprends pas. J'arrive même pas... S'il frague pas, bah, c'est qu'il est moins bon, c'est tout. Voilà. Vous avez beaucoup parlé de contrôle map, donc les strats CPL, donc, où toutes les stuff sont minutées à la seconde près, tout le monde...
tout le monde apprend sa strat par cœur, etc. C'est fini sur Source, ça n'existe plus, à haut niveau du moins. Non, bah si, mais c'est. Ça peut être utile, quoi. Si, je pense que sur chaque map, il faut une voire deux stratégies, que ce soit sur une phase rapide, sur des spawns ou sur une strat au millimètre près. Enfin, moi, je me rappelle que chez Vergame, on avait. Je suis entendu qu'on avait la spéciale inté, on faisait passer un mec au jeune au C2. C'est un truc qu'on a travaillé, voilà. On a fait la strat sur. On était en bootcamp. Pour moi, c'est à ça que ça sert les bootcamps, parce que t'as que ça à foutre, jouer au PC. Donc au final, il y a vraiment là où on a fait. Vu qu'on était en bootcamp, on a profité pour mettre des strats en place. Ouais, c'est bien sur toutes les maps d'avoir. Que ce soit en CT, d'avoir une agro ou deux agros travaillées sur chaque endroit de la map. Et en terreau, d'avoir une ou deux strats au millimètre près, parce que. Quand tu es anti-hero, tu fais un contrôle et que ça, des fois ça arrive que ça passe pas. C'est bien d'avoir une grosse strat qui permette de mettre un round. Et quand tu mets un round, c'est qu'il y a des shots qui partent. Et moi, je suis avec mon équipe, quand on faisait genre la spéciale inté, on envoyait Smith et Shox. Et quand ces mecs-là, ils frag, ils sont trop contents. Et la round d'après, tu peux faire ta 2-1, 2-3 kills parce qu'ils ont pris la confiance. Donc voilà. Et je pense que ouais, c'est important d'avoir déjà des trucs réparés. Moi, je vais dire comment je vois le truc, en fait. C'est... À la base, tu pars sur du contrôle map, tu observes comment ils jouent. Enfin, déjà, je vais commencer par dire faire une strat CPL, c'est nul parce que si tu envoies du stuff à un endroit où les mecs sont pas, ça sert à rien quoi. Faut savoir comment ils sont placés quoi. Et c'est ça l'avantage du contrôle map, c'est tu vois comment ils sont placés, tu trouves la faille, et à partir de ce moment-là, tu lances une strat. Enfin, si elle est CPL, tant mieux, si elle est détaillée, tant mieux, mais tu lances une strat sur le point faible. Et c'est ça notre force à Iberium, c'est que. On lance une strat sur l'inté, on sait qu'ils sont que deux, les mecs ils peuvent quitter le serveur, quoi, c'est fini quoi. Ils sont blancs, s'ils sont pas blancs, il y aura un revenge derrière. C'est fini parce qu'on a des strats entre guillemets CPL sur chaque endroit, mais on les lance pas tant qu'il n'y a pas besoin de les lancer quoi. C'est ça, ce qui est important c'est d'observer comment ils sont mis. Tu vois la faille, tu lances une strat sur la faille. Si ta strat elle est vraiment bien préparée, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en face quoi. C'est pour ça qu'on gagne et qu'on continuera à gagner. Question concernant les échos, il y a beaucoup d'échos d'Eagle qui sont mises dans les dernières LAN. Ça a un impact sur la façon. Alors, est-ce que vous en préparez déjà, par exemple, parce que on sait qu'il y a des positions anti-écho, souvent on peut plus reculer, etc. Mais quel impact ça a au niveau du déroulement du jeu? Les contre-échos, c'est des rounds gagnés d'avance, c'est des rounds que tu dois gagner. Et c'est vrai, quand tu joues, moi je peux parler parce que je suis l'expert pour prendre des échos d'Eagle. Je sais que la Gamer Assembly, par exemple, on en a pris un nombre incalculable. On perd la LAN là-dessus. Hein, on perd la LAN là-dessus, ça fait perdre une LAN parce qu'on ne sait pas gérer des mecs qui courent partout d'Eagle ou qui sont en place ou pas. Enfin, peu importe. Parce que contre Dynamics, c'est pareil. Si ils sont une storm dans le loser bracket, c'est. En tout cas, on s'est corrigé trois fois et on perd ses stress, donc c'est dur. Donc là, c'est important parce que c'est des rounds qui sont faciles à prendre. Et si tu les prends pas, que ton équipe adverse qui les prend, non seulement ça leur met le mental, mais ouais, c'est non seulement ça leur met le mental, et en plus ça les relance dans le match quoi. Moi je me souviens à beaucoup de LAN où on est mal et qu'il y a notre headshot d'Eagle qui part et que ça relance l'équipe parce que. Ça change tout en fait, ouais. Ça change au niveau mental, au niveau des thunes, parce que tu passes de t'as pas d'argent, tu peux retomber en écho derrière, à t'as de l'argent et c'est eux qui sont en écho. Enfin, ça change tout quoi. C'est même pas un round, c'est pas juste un round quoi. C'est vraiment c'est au niveau des thunes, tu te remets dedans quoi. Et à partir de là, tu peux dérouler quoi. Alors niveau mental, tu te prends un écho, mais t'es au fond quoi, parce que tu peux pas le perdre le round. S'il y a personne qui fait d'erreur, si tout le monde joue safe, logiquement tu peux pas le perdre. Nous, je sais bien, nous on avait gagné la Gamer Assembly comme ça. Déjà on avait préparé des échos parce qu'on voyait que leur pose contre écho, ils se faisaient pas chier, ils faisaient tout le temps la même position contre écho. On a dit tiens, on prépare cet écho là. Et on en a mis plusieurs, on a mis 2, 3, 4, 5. Et question directe, est-ce qu'il faudrait nerfer le Deagle un peu, diminuer que dans une mise à jour, on diminue un petit peu, alors, je sais pas, soit sa puissance, soit sa précision. Sur un process, le Deagle, il est fou aussi. Les gens disent que ça part pas pareil. Le peu que je joue à process, le Deagle, c'est comme sur Source. Hein. Tu cours, tu mets des headshots. Peut-être que sur un process, c'est plus dur avec le chargeur de faire beaucoup de kills au final. Parce que sur Source, des fois, t'as des trucs qui partent, c'est infâme, mais sur un process, c'est pareil. Le nombre de. Il y a moins d'écho d'Eagle parce que les mecs sur un point 6, il y a 50 000 dollars à gagner qui ne prennent pas d'écho. Hein. Ils sont accroupis jusqu'au bout, ils savent comment jouer. Et au final, ils se connaissent vraiment, je veux dire, beaucoup mieux. Même si on sait quand même pas mal jouer, si tu prends Fnatic et SK, ils sont joués 150 fois plus que nous parce qu'il y a des LAN tous les 3 jours. Donc, bon, voilà. Ils sont différents. Mais. Merde, j'avais une question, je sais plus. Si, concernant les nouveaux, est-ce que vous voyez des nouveaux leaders endgame émerger?
sur la scène française. Est-ce que vous avez des pseudos en tête? Supposons que vous deviez prendre votre retraite dans le mois qui suit, et qu'est-ce que vous verriez pour vous remplacer? Moi, je verrais. Ben, en fait, dans mon équipe, je vois un joueur qui pourrait vraiment bien lead. C'est NBK, quoi. Après, dans les plus petites équipes. C'est. Quand j'ai entendu la retraite de. La semi-retraite, enfin, qui allait mettre le jeu un petit peu de côté pendant un petit moment. Je me suis dit, mais qui va lead pendant leur match, quoi? Et c'est vrai que moi, de suite, j'ai pensé. Je pense que Choc pourrait le faire, mais qu'il le fera jamais parce que. Parce qu'il voudra pas le faire, mais Choc il pourrait le faire, parce que je sais qu'en pick-up, quand je joue avec lui, il parle beaucoup, donc il serait capable de le faire. C'est différent pick-up. Voilà, voilà. En équipe. Mais je veux dire, en pick-up, il est capable de gérer un truc, quoi. Donc, si vraiment il voudrait s'y mettre, il pourrait le faire, mais c'est pas le genre de personne à vouloir s'investir là-dedans, je pense. Non. Mais c'est vrai qu'après, j'avais pensé à NBK aussi de suite, parce que. Super intelligent, quoi. Il est intelligent et il est super calme. Ouais, il est super calme, il est serein, et c'est un mec sur le local, c'est sympa de l'écouter, franchement, c'est tranquille, quoi, c'est un mec qui... C'est marrant que tu dis ça, parce que t'es quand même plutôt énergique, on va dire, dans la façon, on t'entend souvent t'exprimer assez fort en LAN, etc., souvent gueuler, donc c'est marrant que tu dis, c'est important d'être calme pour un leading game. Moi, je sais être calme quand faut être calme, et je sais crier quand faut crier, parce que je pense qu'il y a un moment où je sais que je suis bon pour donner le mental à mes joueurs, que... C'est plutôt être serein, avoir confiance en soi, sortir une salle. Voilà. Même si des fois je vais gueuler, je sais que les gens ils vont comprendre que si je gueule, c'est pas pour crier, quoi. C'est parce que je suis confiant et je sais qu'on va. Pour relâcher la pression, parfois on en a besoin. Pour encourager son équipe, on a besoin de crier. Ouais. Crier, c'est pas ne pas être confiant, c'est différent, quoi. Je te prends un exemple, il y a des LAN où j'ai pas élevé la voix plus haute que ça, hein, où j'ai pas eu besoin de le faire. Il y en a eu où je me suis senti obligé de le faire et je l'ai fait. Mais voilà, c'est. Moi je pense que. Enfin, ça c'est. Voilà, il y a des fois où je vais être super énergique, genre Maxlan. Genre Maxlan, quoi. Maxlan, je vais. Maxlan, c'est rare, voilà. Où je vais gueuler parce que voilà, je sens que l'équipe en a besoin. Diff, quoi. Et je te prends genre la 119 où j'ai pas élevé le ton de la LAN, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu besoin. D'accord. Bah écoutez, merci pour ces réponses. Un dernier mot peut-être? Bah moi je fais. Games. Voilà. Moi je fais un petit coucou à tous les potes de Pickup PGM, à le DLC, voilà. Alors bah merci beaucoup de nous avoir suivis. Petite info, notre prochain dossier joueur chez Vacarme sera consacré à CRZ, et donc on vous invite à vous envoyer vos questions. La news avec les détails devrait sortir dans les heures qui viennent normalement. Et donc on espère que vous avez apprécié cette soirée. Merci encore à Exy et KRL d'avoir fait le déplacement, et peut-être une prochaine si vous avez aimé le concept. Merci à Ned Gaming et à Cybernation aussi pour les locaux et les moyens, encore une fois. Ciao.